Mais quand vous demandez il y a qui au club, bah si je suis Oh pas, là là, je je vais pas suis vous dire désolée, que je je suis vais là. déranger. Ouais. Et je peux te voir juste une seconde, s'il te plaît? Ok. Je vais devoir séparer rapidement tous les deux. D'accord. La laisse pas partir, la laisse pas partir. Va la braque là, je te dis, braque là. Il y en a qui le garde aussi, il y en a qui le garde aussi. Moi aussi, ok. Elle fait des menaces envers le club et envers moi. Dans ce message, c'est clair. Oh, attends, je vais te relire le message. Ah, c'est bon, elle est morte, elle. Elle parle avec son frère, avec lui, elle a tout supprimé avec Jack, mais avec Miguel, elle dit qu'elle, clairement, elle va venger le club. Enfin, qu'elle va le venger lui. Jack, c'est des menaces pures et dures. Elle dit qu'on lui crache dessus. Enfin, il y a plein de messages, il faut qu'ils te lisent tout, c'est un truc de fou, quoi. Donc, depuis le début, elle voulait nous la mettre à l'envers, cette salope. Elle vient de dire à Pablo, laissez pas Vedo vous tirer vers le bas. Je trouve ça très compliqué de ma part de ne pas réagir à cette situation pour le fait que, encore, vous m'auriez dit, bon, bah, reste dehors, on va s'occuper de quelque chose, j'aurais dit ok, mais que vous demandiez à mes propres frères de me mettre contre un mur et de me braquer, moi, je pense que je suis votre sergent d'armes et là, toute crédibilité que j'avais est finie. Eh bah, écoute, tu peux croire ce que tu veux, VP, de toute manière, comme j'ai expliqué au président, pour moi, là, quoi qu'il arrive, c'est mieux que vous me butiez. Parce que. Mais fais ce que t'as à faire, VP. Mais je vais répondre parce que tu viens de me dire que tu vas me tuer. Je vais. Ah. Ah. J'ai voulu faire ça pour le club, Kainer. Tu sais qu'il nous emmène droit vers le mur. Problème, bah, je vais aller j'espère que faire ça une va aller petite pour vous. fusée. Sérieusement, je vous le souhaite. Je te prends tout ce que t'as sur toi. Radio. Mettez-lui un baillon sur la bouche. Mets-lui un baillon sur la bouche. Voilà, c'est fait. Je lui accroche les mains. Hop, la porte elle est ouverte. Il est rentré. Burrito, tu suis derrière et dernière voiture, vous suivez derrière la convention. Oh putain, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Barre-toi, 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 barre-toi. La voiture derrière, allumez les feux. La voiture derrière, allumez les feux. On se met sur le bas-côté. Allumez les flics, les gars, allumez les flics. Tout droit, tout droit. Tout seul dans la voiture, il a sauté l'autre. Mais oui, mais pourquoi sur nous, bordel? Ils attendaient qu'on sorte. Hey, flic. Ah, moi je les allume, hein. Condé, condé, condé. Tirez, tirez, tirez. Il y a les flics derrière nous. Je veux pas, je suis tout seul, moi, dans la voiture. Gunclet, pousse-toi, pousse-toi. Là, là, les rails de train, les rails de train. Non? Oh, dans le tunnel, là. Ouais, ouais. Oh, putain. Ouais. La fête qu'ils nous ont pas vus. Là, c'est impossible qu'il nous ait vus, je pense. Hein. De toute façon, il m'a clairement dit, là, avec ce que vous avez fait, il m'a dit c'est mort, soit vous me butez, soit je me barre du club, mais il peut pas se barrer comme ça du club, il connaît tout sur nous. Il est sergent d'armes, il a une balle dans la tête, c'est sûr. Si elle est keuf, les gars, vous visez les pneus directement, et si vous voyez qu'il casse trop les couilles, vous avez une balle dans la tête, tant pis. Essayez de pas faire de conneries, essayez de rôder dans le nord, check un peu ce qui se passe, et prends un véhicule, ça peut être place. Ok, attends, faut ça. Oula. Bon, sortez tous les gars. Yeah, go. Faites-le me suivre. Merci. On ne traînait pas. Hein. Moi, je t'ai répété que j'étais pas au courant. Tu m'as déjà dit que j'allais mourir, donc pourquoi je te mentirais? Je savais qu'elle était en colère contre Vedo et que du coup, elle voulait lui parler parce qu'elle se sentait mal dans le club. Clairement que t'en as plus rien à foutre du club, quoi. Bref. Voilà. Ah, mais tout à l'heure, tu m'as dit clairement que tu m'as dit que c'était mort pour toi et que, soit on te butait, soit tu te barrais du club. Parce que tu te rends compte que tu as demandé à nos frères d'armes, à mes frères avec qui je me suis battu depuis le premier jour, de me braquer et de me plaquer, de me foutre contre un mur et de me braquer. Personne qui voulait vous buter. Et faites ce que vous avez à faire. Je t'aime aussi, princesse. Sous merde. Il trahit depuis le début.